Dans cette vidéo, nous allons voir en fonction de chaque niveau dans quelle formation est-ce que vous pouvez postuler. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure conférence de A à Z. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en fonction de chaque niveau dans quelle formation vous pouvez Dans quelle formation est-ce que vous pouvez postuler? Que vous soyez en licence 1, licence 2, licence 3 ou master. Ou bien si vous venez d'avoir aussi votre bac. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je recevais souvent des questions du genre je suis à tel niveau, dans quelle formation est-ce que je peux postuler? Donc dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager et aussi de m'aider dans les commentaires. Quel genre de vidéo aimerez-vous que je fasse? Alors, si tu es titulaire d'un bac, donc si tu viens d'avoir ton bac ou tu es actuellement en licence 1, tu as la possibilité de postuler en licence 1 générale. Soit tu peux aussi postuler en BUT. Donc, BUT, c'est des formations qui sont plus professionnelles et c'est des formations de 3 ans. Voilà. Et soit tu peux aussi postuler dans les BTS. Donc, les BTS, c'est sur la plateforme Parcoursup. Et la procédure sur Parcoursup commence en janvier. Voilà. Et aussi, tu peux postuler en licence 2. Mais si tu es actuellement en licence 1, mais je ne vous conseille pas. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles je ne vous conseille pas de postuler à un niveau supérieur à votre niveau actuel. Donc, je vous conseille plus de postuler en licence 1 générale, en BUT, soit vous attendez la procédure Parcoursup ou postuler dans un BTS. Voilà. Maintenant, si tu es actuellement en licence 2, tu peux repostuler en licence 2 et aussi tu peux aussi postuler en licence 3. Mais je ne vous conseille pas de postuler à un niveau qui est supérieur à votre niveau actuel. Alors, pour ceux qui sont titulaires d'un BTS, je vous conseille plus de postuler en licence professionnelle. Donc, pour postuler en licence professionnelle, il faut avoir minimum bac plus 2. Donc, vous pouvez postuler en licence professionnelle. Et c'est ce qui est le plus conseillé pour ceux qui ont un BTS. Voilà, donc vous pouvez aussi postuler en licence 2 générale, licence 3 générale, mais je vous conseille plus de postuler en licence 2 générale parce que si vous voulez et postuler dans une licence générale et les formations en BTS sont plus pratiques, donc au moins vous allez faire une année de mise à niveau, donc en licence 2, comme ça par la suite vous pouvez aller en licence 3. Voilà. Maintenant, si vous êtes en licence 3, donc si vous êtes en licence 3, vous avez aussi la possibilité de postuler dans les formations de licence 2. Vous pouvez aussi postuler en licence professionnelle parce que votre niveau est déjà supérieur. Donc vous pouvez postuler en licence professionnelle. Vous pouvez aussi repostuler en licence 3 générale, en licence 2 et en master 1. Mais je ne vous conseille pas de postuler en master parce que le niveau est déjà supérieur à votre niveau actuel. Et aussi, les masters sont très sélectifs. Donc, si tu es en licence 3, je te conseille plus de postuler en licence 3 générale, soit, on va dire, soit en licence professionnelle, soit en licence 2. Donc, ça dépend aussi de tes notes. Si tu vois que et tu n'as pas de très bonnes notes et tu veux augmenter tes chances d'avoir une admission, donc tu peux régresser un peu en licence 2. Mais je vous conseille plus de postuler à votre niveau actuel. Voilà. Maintenant, si tu es en Master 1, donc si tu es actuellement en Master 1, ça, je vous conseille de postuler simultanément en licence 3 et en Master 1. Donc, il faut plus privilégier les Masters. Donc, vous faites peut-être 4 choix de formation en Master et 3 choix de formation en licence 1. 3 choix de formation en licence 3, parce que déjà, les Masters sont très sélectifs. Donc, si jamais vous n'obtenez pas une admission en Master, donc vous pouvez faire déjà la licence 3 pour renforcer vos acquis et rehausser vos notes. Comme ça, l'année suivante, vous pourrez postuler dans un master. Voilà. Maintenant, si vous êtes en master 2, donc si vous êtes en master 2, vous pouvez postuler aussi simultanément en master 1 et en master 2. Voilà. Donc, c'est à peu près les niveaux et les formations dans lesquelles vous pouvez postuler. Donc, je voulais pas faire une très longue vidéo. Donc, c'était juste pour vous donner ces petites informations. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions,
N'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou Facebook si vous avez des questions et que vous voulez me poser en privé. Je vous reprends volontiers. Et on se dit à la prochaine, les amis.